vous êtes nés à nous. Vous avez fait ce choix de votre plein gré. Quand personne ne se souciait de vous, nous avons transformé votre misérable existence. Nous vous avons donné une raison de vivre. Et c'est comme ça que vous nous remerciez. En nous trahissant. Où irez-vous si vous nous quittez, Kid? Qui vous accueillera? Pourquoi abandonner la cause? Qui essayez-vous de sauver? Un monde qui ne s'est jamais préoccupé de votre sort. À mes trousses. J'ignore comment, mais ils savent tout. Ils ont même découvert Leslie. Je n'ai plus aucune raison de le cacher. Je vais entrer dans le système et mon retour sera la preuve que tout ça en valait la peine. Et bien sûr, je les convaincrai que je n'ai pas fait ça pour moi, mais dans leur intérêt. Il ne reste que quelques derniers réglages. Ensuite, je nous connecterai, Leslie et moi, au STEM et je l'activerai. Le signal sans fil devrait être diffusé aux alentours. Je ne garantis rien pour les autres qui l'entendront, mais comme je le dis toujours, la fin justifie les moyens. Mobius verra enfin que je fais partie de ses meilleurs éléments. Ruben n'est qu'un fantôme. Je suis leur sauveur. Leur plan ne vaut rien sans moi.
refusé de nous répondre. Est-ce par peur? La peur est une émotion si subtile. Mais c'est lorsque quelqu'un ressent une peur véritable qu'on peut le contrôler. Qu'on peut le façonner. Le STEM est une horreur. Une machine conçue sur le simple principe de la peur. Mais en un sens, il est parfait pour réaliser notre objectif. Vous serez la première. Vous vous soumettrez à cette peur. Ou vous mourrez. Vous servirez d'exemple pour ce que nous allons devenir. C'est moi. Je suis connectée. Comme tous les autres. Je dois sortir de là. C'est pas vrai! Sébastien, éloignez-vous de lui. Sébastien, écoutez-moi. Arrêtez. Vous avez les mêmes intérêts que nous. Ça va, j'ai bien compris. Vous n'êtes pas qu'une nouvelle recrue et lui n'est pas qu'un garçon ordinaire. Vous avez tué Joseph et tiré sur moi. Donc à ce stade, j'ai de très bonnes raisons de ne pas vous faire confiance. Vous êtes un type bien. C'est pour ça que... Ça n'a plus d'importance. Si vous avez tout compris, comme vous semblez le croire, vous savez pourquoi je ne peux pas le laisser vivre. Connerie. C'est Ruvik. C'est lui qui a...
Vous avez échoué. Vous aviez une mission et vous avez échoué. Non. Vous n'êtes pas réel. Tout est faux. C'est ce que vous voulez croire, mais je suis bien là. Je vous suis depuis le début. Ce monde est un cauchemar. Mais je n'ai plus peur de vous désormais. C'est bien la preuve que vous ne comprenez rien. Vous devriez avoir peur. On vous tient quitte. Et vous savez ce qui arrive quand on échoue. Vous ne pouvez pas vous échapper. Vous avez rempli votre rôle insignifiant. Ce monde est une prison que vous ne quitterez jamais. Allez vous faire foutre! Ça a assez duré, je vais en finir ici. Ugh!
ce monde pour vous. Votre mort servira à quelque chose, après tout.
Kidman. Vous allez le regretter. Vous allez le regretter.
pas y avoir de progrès sans sacrifice. Vous allez le regretter.
vous pensez pouvoir... Mais vous nous appartenez. Pensez pouvoir fuir, mais vous nous appartenez. Vous pensez avoir gagné, mais est-ce le cas? Vous ne savez rien. Je suis avec vous. Je serai toujours avec vous. Vous vous trompez. Je suis plus forte que vous le croyez. Est-ce que vous avez confiance en vous? Du moins suffisamment pour assumer la responsabilité de vos actes? Agent Kidman, on s'occupe de lui. Combien de temps ça fait ? 37 minutes depuis la première pulsation. Comment on est arrivé là ?
Qu'est-ce que vous voulez dire ? Donnez-moi une minute, j'ai besoin d'y voir clair. Mira, on a besoin de vous ici. D'accord. Mais apparemment, il veut un débriefing dès que vous serez de retour. Mira. Ils avaient raison. J'ai échoué. C'était sans compter sur vous. Je vous revaudrai ça. Bienvenue dans le monde réel, Sébastien. J'espère que vous trouverez ce que vous cherchez. Laissez-le. Ceux-là aussi. Ils n'iront nulle part. Vous non plus.